Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc aujourd'hui, on va voir comment mixer en pistes séparées un morceau préparé dans MPC 2.2 Software à l'intérieur de Reason 10.1. Donc ça sera un mixage en multipiste de ce que vous avez fait dans MPC 2.2 Software. Donc la chose à faire, déjà, on ouvre une session de Reason, on intègre le plugins en le prenant, hein, tout simplement, vous prenez votre plugins et vous le chargez. Donc voilà, moi je l'avais préparé avant. Ensuite, vous chargez votre morceau. Hop. Voilà. Moi, le tempo d'origine du morceau était à 103. Donc ici, je vais mettre 103. Voilà. Après, deuxième chose à faire, hop, j'avais dans mon morceau à l'intérieur de MPC Software 120 mesures. Donc je vais placer mes locators pour avoir mes tac, 120 mesures. Voilà qui est fait. Et donc, hop, je prends. Donc voilà le morceau en question. C'est un morceau que j'avais commencé à préparer dans un tutoriel précédent. On va s'écouter ça vite fait. Je me remets au début. Donc voilà en gros le délire. Alors, maintenant ce qu'on va faire, on reste dans MPC 2.2, je vais sur ma console et je vais regarder le nombre de pistes que j'ai. Donc la première, c'est là où j'ai mon bruit de pluie, donc c'est une piste audio. Ensuite, j'ai 3 programmes samples et 3 plugins. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir une piste stéréo pour chacune de ces pistes instruments. Donc là, ça va m'en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vais dans mon Reason et je vais ouvrir des voies de mixage. Donc, sachant que j'ai déjà la première piste ici, je vais la mettre en dessous, sachant que j'ai déjà cette première piste ici, je vais en ouvrir 6 autres. Donc une, hop. Deux, trois, quatre, cinq et donc voilà, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On a bien nos 7 pistes. Là, ce que je vais faire, j'appuie sur tabulation pour retourner mon rack. J'ouvre en grand le CV programmeur. Et là, comme on peut voir, donc on a bien notre première, l'audio out stéréo qui arrive sur ma première piste. Et ici,
on a les sorties audio optionnelles. Donc là, je vais les prendre. Donc 3, 4, j'ai le câble. 5, 6, 7, 8. Donc je pars de mon out et je vais sur le input de chaque voie de mixage. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, en sachant qu'à chaque fois, on a le droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus la première, ça nous fait 8 pistes stéréo séparées qu'on peut avoir pour chaque plugin dans Reason, à condition bien sûr que le plugin ait des sorties séparées. Une fois que ça c'est fait, je retourne à l'intérieur de mon MPC Software et au niveau de ma console, donc je me mets bien ici sur la console, donc ça s'appelle Channel Mixer, au niveau de l'icône. Donc les bruits de pluie, je vais les laisser sur 1-2. Là, hop, sortie. Donc vous avez différentes possibilités. Soit vous pouvez aller sur envoyer votre son sur le sub, soit sortie stéréo, soit sortie mono. Nous, on a mis des sorties stéréo. Donc, on va rester dans le délire. Je vais envoyer ma première piste sur 3-4, ma deuxième piste sur 5-6, troisième sur 7-8, quatrième 9-10, là 11-12, et ici 13 et 14. Voilà qui est fait. Donc, ce qui fait que maintenant, si je me remets en mode song, hop, j'ai bien tac tac tac. Au niveau du séquenceur, j'ai bien mes 120 mesures. Voilà. Donc, dès que je vais mettre en lecture, mon locator va défiler ici. Et si je me mets au niveau de la table de mixage, donc première piste stéréo, on a bien mon bruit de pluie, donc rien ne m'empêche par exemple. Voilà. Là, j'ai ma batterie. Mon piano. Ma basse, et après, une fois que ça c'est fait, votre câblage est fait, bah, vous avez tout le loisir de pouvoir mettre ici en insert des effets, sur votre master des effets, et donc de bénéficier du traitement de votre table de mixage de Reason 10, du traitement de la table de mixage SSL, pour pouvoir ajouter toutes les sortes de traitement que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais aller mettre. Hop. Thank you.
ici sur ma batterie pour lui donner encore un peu plus un petit grain à l'ancienne. Par exemple, hop, rien ne vous empêche aussi de mettre vos equaliseurs. Je me mets par exemple sur ma première piste, hop, solo. Je place mes filtres, donc low pass et high pass. Ajouter un peu d'équal. Après, c'est du mixage, hein. Vous tapez votre délire, vous faites tout ce que vous avez à faire et donc voilà pour la façon de procéder pour pouvoir utiliser
un son que vous avez commencé à préparer dans MPC de software et pouvoir le mixer dans Reason en pistes séparées. Alors moi, je l'ai fait en piste stéréo, mais rien ne vous empêche de pouvoir travailler en mono. Et donc là, ça va vous doubler, puisque en stéréo, si on retourne le rack, ça vous fait un total de 8 sorties stéréo, donc 16 sorties mono. Donc voilà, le délire en mono, on va le voir dans un prochain tutoriel. Mais déjà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire avec les plugins dans MPC, les plugins dans Reason pour pouvoir les mixer en pistes séparées. Bien sûr, attention, si le plugin en question accepte les sorties séparées, parce que tous ne les acceptent pas. Donc voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu et puis la petite cloche bleue si vous vous abonnez pour avoir les différentes notifications de sortie de vidéos. Et bien sûr, pensez à télécharger vos packs de samples. Les liens sont sous la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!